Est-ce que nous sommes là ce matin? Tu vas saluer la personne qui est à tes côtés. Tu vas lui dire, sois la bienvenue dans l'église Centre Missionnaire Modèle des Nations. Alléluia. C'est une grâce, c'est une opportunité, c'est une faveur inérivée de la part du Seigneur d'être encore dans sa présence et de célébrer. Plusieurs ont recherché d'être en Seigneur. Plusieurs ont désiré avoir ces moments-ci. Même dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas pu avoir l'opportunité, car cela était réservé à une catégorie de personnes. Mais il y a eu un homme. Il en est dit. Il en est dit. Il est descendu du ciel. Il est venu sur la terre. Il a habité parmi les hommes. Il est allé sur la croix. Il est mort sur la croix. Il est mort. La Bible dit qu'on l'a enterré. Et le troisième jour, la terre n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité pour te donner l'opportunité de célébrer Dieu, de communiquer avec Dieu, de ne plus être loin de Dieu, mais d'être plus proche et plus près. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, Dieu t'a fait grâce d'avoir encore un homme parmi nous. Pour nous parler encore de la part du Seigneur. La Bible déclare, Dieu envoie son serviteur. Son serviteur dit ses voix. Et Dieu lui donne l'onction sur les yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux d'être ce matin au Seigneur. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à l'église, le centre missionnaire de la nation. Ainsi, c'est bénin, l'église où on retrouve l'amour et la présence de Dieu. Afin d'éclairer les nations. Sans plus tarder, je vais inviter un homme, c'est un homme de Dieu, rempli d'esprit, et qui est beaucoup consacré, et Dieu l'utilise puissamment dans les miracles, la guérison. Et nous croyons que ce matin, il sera pour nous encore une bénédiction. Amen. Pour ceux qui étaient là hier, pendant, nous avons eu rencontre avec tous les ouvriers, c'était waouh. D'avoir bénéficié par mal de choses, et nous croyons que ceux qui ont raté, ils ont raté. Ces choses ne reviennent pas de nous. Et ça est culturel. Amen. Donc sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Téves, l'église d'Emmanuel, sauf que la traversée, on peut se lever. Vous pouvez donner la parole du Seigneur. C'est vraiment bien le plus. Je l'aime beaucoup. De cela, quand tu m'y dis. Comme je vais fier à ce qui était ici. Mais tu nous donnes la bande, vous n'êtes pas en maçon, non? Vos âmes se sont attachées comme l'âme des choses à de la vie. Et je crois que nous avons le même destin. On réfléchit de la même manière. Je suis le pasteur Eves Panda. Et vous êtes le fou qui Eves Panda. Marié. Vous êtes au père là. Père des enfants. Et t'as la bana. Biologie comme la foi. Vous tu dois pas nous pousser car tu vas nous salir de tes minous. J'ai un père. Et vous êtes la tata. Ça fait le pasteur et c'était le panier. Alors vous la gagnez. Pasteur et c'était le coup à vous tout le coup. Grand prédicateur de la foi. Je suis le fruit de ses entrailles. Amen. Amen. Et je vous aime beaucoup. Ce que je vais vous demander, vous me donnez vos oreilles. Puisque ce trimestre, on parle ici sur l'importance de la vision. Et
Dieu m'a envoyé pour toi. Et les âmes qui sont nous sommes aidés. Non, je ne veux pas te prêter une seule fois. Amen. Donc, papa, nous ne pouvons pas aller. Dieu m'a envoyé pour toi. Les âmes qui sont nous sommes aidés. Tu as vu, je suis dans la joie. Et moi, qui en saillis. Parce que je suis au milieu de toi. Ça m'a fait qui est de au milieu de mes frères et sœurs. L'évangile n'a pas de limite. Et ça va voir qui est devant nous. Alléluia. Amen. Tu peux être ministre ici au Congo. Matthieu chapitre 3, verset 3, jusqu'au
sera ce cadre. Et le troisième texte, dans le chapitre 1er, verset 30, tu seras serein en tes cèdres. Amen. Amen. Nous allons lire le premier verset. Isaac révélait Dieu et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit: mon fils. Et il répondit: me voici. Isaac dit: voici donc que je suis Dieu, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un main comme j'aime et apporte-le moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca dit tard ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un main que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va, va me prendre au troupeau de ton chevreau. J'enverrai pour ton père un main comme le même. Et tu le porteras à manger à ton père, ainsi qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Esaü mon frère est venu, et je n'ai point de bois. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit les mains comme son père et mère. Ensuite, elle lui a pris le vêtement de Esaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son frère, son fils aîné. Elle ouvrit ses mains de la peau du chevreau et son cou qui était son poil, et elle plaça dans la main de Jacob son fils, le vin et le pain qu'elle avait pris par lui. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et toi, tu en as déjà trouvé, mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'avait béni devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'apprêta
s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas, parce que sa main était venue comme les mains d'Ésaü, son père. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils, Ésaü. Jacob répondit, c'est moi. Parole du Seigneur. Amen. Le deuxième verset. Et il a les autres de Tanga. Matthieu chapitre 3, verset 34. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaü le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil et de chapeau. Et une ceinture en cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Le troisième et dernier verset. Et à ta vie, on commandit ça. Jean chapitre 1, verset 28. Ces choses se passaient à Bethanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu contre le péché du monde. C'est celui-là, Jésus, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean entendit ce témoignage. J'ai vu le Saint-Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui, qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise le Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il lui dit, voici l'agneau de Dieu. Les disciples, les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles. Et il suivit Jésus. Parole du Seigneur. Attends le Seigneur et à son temps. Que Dieu bénisse. Le temps que je parle ce matin. Et je rejoins ton niveau. Et puis vous soyez un jour et rejoins ton niveau. Et vous soyez un jour et je parle de la vision. La vie, la vie que nous voyons, tout dépend de la manière dont nous voyons les choses. Quand tu vois les choses au petit, c'est aussi petit. Quand tu vois les choses en grand, faire.
tant que tu es là, tu es le problème. Rien ne marche. Il est aussi la vision est confuse. Yeah.
Vraiment, Emmanuel. Et la pluie a pour mon domaine. Et j'aime. Il n'a pas besoin d'attendre. Lui ne sait pas pourquoi.
parte de falso de Jesus.
était pour vous ce soir. Alléluia. Amen.
Lui le fait le mal. Qui m'a menti? Il le mène chez son père.
Dieu ne va pas. Quand tu ne maîtrises pas ta mission, il était là. Et il fait les bons. Et vous avez dit, il ne sait pas. Et vous avez fait. C'est lui qui va sauver. Si quelqu'un vous dit, ça n'est qu'elle va passer. J'ai déjà aimé. Et vous en avez la finalité. Et vous m'avez ça. On a compris quelque chose. Et pas vous avez dit, j'ai dit à quelqu'un. Vous avez dit, je vais parler avec toi. Et là, c'est même été. Sans jour. Et que nous, vous. Dans les jours. Et que nous, vous m'avez dit. Tout va arriver. Il ne couvre pas le péché. La loi couvrait le péché. Et vous la mais lui, et il ne couvre pas le péché. Et et il dit, elle va tout bas.
suis avec vous. Je vais faire le père. Le point ici, la tata. Le point là. La tata. Elle en couva. Tu n'as pas un plein de chien. Et tu n'as pas envie pour un plein de chien. Il n'a pas un petit de vous. Ça me lève. Mais vous avez un père. Il y a une histoire. Il y a un homme en dessus. Il y a même un. Il y a un père en dessus. Il y a un aiglon. Et ton problème, il y a un père. Ils vont mourir des lois, oublier les poux. Tu n'es pas un boule. Tu es un élève. Tu t'es dégagé dans le lieu. Tu vas prendre les espaces. Tu vas prendre là. Tu touches la cime de mon cas. Je dis à ta femme, même si on t'attache. Le son que tu portes, c'est toi. Ce son, c'est dans une autre identité. Parce que je parle à quelqu'un. Tu es différent. Tu vois que là où tu rentres, quand les gens te voient, il y a la différence. Non, c'est pas lui. C'est pas parce que ça je ne t'aime pas. Ça me fait 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 ça. Je parle aux élites. Je parle aux élites. Je parle aux élites. Je parle aux élites. Ceux qui sont capables de se dégager. De visionner. Jonathan, il avait une vision. Lui, le fils du roi, il voit David. Il est
la vision t'emmènera les niveaux, les niveaux des chefs, les niveaux des vendeurs, les niveaux des affaires, les niveaux des voyageurs, les niveaux des chrétiens talés, les niveaux des chrétiens de prière, les niveaux des chrétiens avec un grand impact.
Dieu. Ce matin, il y a une solution. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné?
ce matin, tu te lèves. Parce que le roi des rois veut faire son entrée. Et tu me guéris dans ce matin. Il veut faire son entrée et te prendre et t'emmener à son niveau. Elle vient à la maison, elle vient en la journée. Je dis, Dieu m'a dit,
Cette fois-ci, l'anesthésie, c'est là. Le docteur qui le reçoit, il dit, on va passer un scanner. Dieu va te toucher.
quelque chose qui se passe. Elle a dit, on t'a beaucoup de temps. Cette dame, Dieu m'a dit. Et elle t'a beaucoup de temps. La mort était à sa porte. Et nous, pour pas être la voix maladie. Et Jésus est venu la guérir.
que ce matin, c'est ton jour. Le problème qui est là, il y a la guérison. Le Dieu des prophètes, maintenant, j'ordonne à la maladie, à la loi, de libérer ce corps en vertu du pouvoir que tu m'as conféré. J'ordonne maintenant. Le feu de Dieu rentre en toi. Le feu rentre en toi. Tu ne pourrais pas supporter. Le feu rentre en toi. Tu ne pourrais pas supporter. Il y a un feu qui rentre en toi. Maintenant. Ça commence à brûler. Ça commence à brûler. Ça commence à brûler. Dans l'étoile qu'on a étouffé. Maintenant. Ton ventre, tu es mort, Père des miracles. Allez, reçois la grâce. Pour son père de France, tu verras un miracle. Je m'ai demandé de te demander. Qu'est-ce que tu veux qu'il te passe? Tu prends Dieu, il va te guérir. Thank you.
Thank you.
Cette église. L'église, après ce que je dis, il y a quelque chose qui va se passer.
Dieu m'a dit qu'il va faire des grandes choses avec toi. C'est que ton père, le grand geste n'a pas encore fait, toi tu le fais. Je suis ami de toi. Dieu m'a dit de taper tes épaules parce que il te lève. 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 Il t'emmène quelque part. Ta vision ne sera pas la vision d'une colonne, ni la vision de l'épervier. Tu seras la vision de l'air. Tu vas voir loin, loin, loin. Le Dieu des sonnies. Manifeste-toi dans cet enfant. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me parle pour le papa. Et quand on la tête, il va élever tes enfants. Et tout ça va pas gagner. Il va élever tes enfants. Il va faire des grandes choses. Et qu'est-ce que tu vas pour l'aider? Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Je vais t'en aller à bouger mon tala. Ce que tu n'as jamais fait. Il a bougé mon tala. Dieu le fera. Ça va pas gagner. Dans tes enfants. Il y a un. Il y a la aussi. Il sera grand. Il va bien, il sera plus fort. Il y a un nez, il sera plus fort. Il va sera plus fort. Il est très grand. Mais vous tout le monde, je parle. Et quand vous sentez ça, je le peux. Vous la peur, moi. Je suis juste le voir dans les yeux. Et vous tenez la tête pour vous. Je peux. Vous tenez la peur, moi. Grande gloire. Et moi, dans la guerre, vous l'avez aidé. Tout est dans mes yeux. Mais les pétrés, vous l'avez aidé. Grande gloire. Et vous l'avez aidé. Dieu. Zambi. Dit. Et tout le monde. Me visite. Et vous l'avez aidé. Je posais des questions. Et vous voulez ma tout. À peine hier. Et la maçonne. Je cherchais des solutions. Et vous pouvez en foutre. Je m'a dit. Ça nous va la moudre. Tu prendras la prédication. Et vous pouvez mettre la moudre. Et les réponses. Et les réponses, vous examinez bien. Et la maudre. La réponse du problème que tu cherches la solution. Et vous foutre la carte dans mon ça. Je m'a dit. Ça nous va la moudre. Je vois une douleur au dos. Là où t'as la passe dans mon combo. Je m'a dit. Ça nous va la moudre. Cette douleur. Et passe là. Je vais t'emmener à se soigner à l'étranger. Pendant que tu es debout, sa main est passée sur ton dos. Il a fait un miracle. Et tu témoigneras de grandes choses que tu vas faire dans ta vie. Tu es un gagnant. Tu as connu des moments compliqués. Depuis ton enfance, quand tu es arrivé, mais Dieu veut t'emmener encore loin. Tes entrailles vont bouger cette ville. Tes entrailles vont bouger cette ville. J'ai pris pour toi. Dieu m'appelait que je sois avec toi. Je communique la grâce. La force qui est sur moi te touche maintenant. Maintenant, je sois la grâce, je sois la faveur. Que le Dieu des problèmes soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Maman. Maman. Dieu. Zabi. Que tu vas aller midi. Tu es des bonnes personnes. Et qu'est-ce que tu as inventé? Tu aimes les gens. Et que tu vas aller avant tout. C'est pour ça que Dieu t'aime. Et là, on sait que tu vas gagner. Beaucoup de gens. Je vois dans un vol. Vous avez un peu beau. Je vais voyager. 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 Le Saint-Esprit m'a révélé. C'était toi. Il a besoin de toi. Vous n'avez pas donné. Pour être certain que tu es de ta famille, Dieu m'a dit de toucher ton pied par mon pied. Le Saint-Esprit va se briser maintenant. Par vos chers bravo. Va tout que rester là-bas. Par la laïe de gauche. Je vois accepter ton mère maintenant. Maintenant, je sois la base. Je sois la grâce, je sois le pardon. Quand Dieu te visite, passe des points du monde, encore plus, je sois le pardon.